Bonjour, bonsoir, bon niveau d'appétit, bienvenue sur A Long Way Down. A Long Way Down, c'est un indirect, jeu qui est sorti aujourd'hui, il y a même pas une heure, qui apparemment se veut être un mélange où, je cite en fait, être fortement inspiré de Darkest Dungeon, de Slay the Spire, et de... Attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Darkest Dungeon, Slay the Spire, et... Et un autre roguelike que j'ai complètement oublié. C'est un roguelike qui apparemment se veut être, se veut faire un deck building. On va construire des donjons. On va faire du RPG. On va construire des stats de personnages. C'est un jeu qui allait relativement complet, mais attention, il est encore en accès anticipé. Donc on va découvrir ça tout de suite. En tout cas, moi quand j'ai vu ça, j'ai été relativement saucé. Oh putain. Attends, est-ce que bas, gauche, droite, il n'y a pas haut? Alors déjà, c'est un jeu qui n'est pas raciste. Ah si, ZQSD. Oh yes, yes, et il est traduit en français. Ah putain, ça c'est bon ça. Bon pour commencer en tout cas. Ok, ah, il y a de quoi changer le volume principal. C'est un jeu qui est bien connu. Allez, c'est parti. Produit par Synapsis et Goblins Studio. Avec le soutien du CNC... C'est français, du coup ? C'est peut-être français, en fait. Hein ? Allez, c'est parti. Youpi, je suis pas trop en retard. Allez, c'est parti. Commencez. Sam, tu m'entends ? Mabri, je t'entends. Ça veut dire que ton âme n'a pas atteint sa destination. Mon âme ? Mabri, je suis où, là ? Eh bien... Ton corps est étendu devant moi. Je suis en charge de ton rituel funéraire. Des esprits m'ont soufflé qu'ils te trouvaient trop gris pour t'accompagner plus loin. Ou trop rebelle, je ne sais pas, j'ai pas tout saisi. Je suis mort ? Oui, mais... Lequel est de tes soucis, maintenant ? Je vais essayer de te guider à travers les limbes. Les esprits m'ont glissé que des âmes perdues s'y sont complaisamment établies. Je les ai convaincus de voler quelques-unes de leurs âmes et de te les amener. Des cartes ? Tu les reconnais ? Nous en utilisons de semblables. Tu devrais pouvoir affronter les âmes perdues, comme nous le faisons de notre fusion de notre vivant. Sauf qu'ici, tu le feras en les regardant droit dans les yeux. Papa Legba me protège. D'accord, ok. Je suis mort, je dois descendre. Tutoriel A. Salut Redria. Salut Redrias, coucou copain. S'échapper du donjon. Ah voilà, alors c'est ça que j'ai cru comprendre dans le sens construire un donjon. Trouve à te mettre à l'abri. Alors d'accord, donc c'est peut-être pas français finalement. Trouve à te mettre à l'abri, l'endroit n'est pas sûr. Qui sait ce qu'il adviendra de toi si tu te laisses attraper par une âme perdue. Ah. Ok, donc comment je... Ah, je... Avec la souris, d'accord. J'ai autant de déplacements que je veux. Comment je fais? Bah oui. Ah, clic droit, d'accord, clic droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pile de dalles. Construis ton chemin avec ces quelques dalles. Ah. Donc j'ai un tout droit. J'ai du tout droit et du Fallen King. Pour maudire sa proie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces cartes peuvent façonner le monde qui t'entoure. Ah, c'est ma brie. C'est mon brie. C'est ça. C'est une tronche. C'est le fameux tronche de cake. Ces cartes peuvent façonner le monde qui t'entoure. D'accord, ok. Je peux poser une carte ici. D'accord. Et là, il y a un ennemi. Relique électrique. Méfiez-vous de lui, il va vite. Ah ah. Donc là, combat. Waouh. Ah, pichenette. Ah, c'est... Tchiii. Yes. Comment ça se passe? Ouais, non mais tuto. Je veux bien le tuto, s'il vous plaît. Ok. Ah, musique originale, ça c'est bien. Pauvre Worms. Alors je peux faire un soin. Dispense 10% de soin. Inflige rapidement 20 de dégâts à la cible. Il est stock. Pénitence. Retire toutes les malédictions de la cible et dépense 3% de points de vie au lanceur. D'accord. Bénédiction d'armure. Augmente la défense de la cible de 15% pendant 3 tours. D'accord. On va faire une stock. Oh, ça va vite. Ok. Et après ? Fichenette, affiche 20 dégâts à la cible.
Ah, je peux effectuer 3 actions, d'accord, ok, il y a 3 trucs en bas. Alors, merde, alors je vous bouche un truc sous moi, là. Je vous bouche la vie du personnage. Alors, attendez 2 secondes. On y retourne. Hop là, voilà. Désolé YouTube, c'est bon. Maintenant vous voyez tout. Regardez, il y a la vie ici du personnage. Il y a rien à côté. Hein. Si, relique électrique, 50 sur 80, enfin bref. Du coup, 3 actions, donc je refais Pichenet, j'imagine. Je peux double... Non ? Je suis obligé de glisser comme ça ? Ok, il m'a fait une attaque à moins 11. Il s'est buffé de 5%. Attendez, il a fait 2 actions ? Ah non, d'accord, lui ce qu'il fait c'est... Ah ou ça, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a fait ou qu'il va faire. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Infliger 10 à 15 de dégâts à la cible. Augmente la défense des alliés de 5% pendant 2 tours. Ah, d'accord, ok. Une estoc. Tac. Merde, j'arriverai pas à le tuer. Tant pis. Voilà, il me fait 14. J'ai 250 PEV. Ouais, j'ai de quoi faire quand même. Alors remarque, j'ai 3 actions à faire, donc autant faire soin. Olé, voilà, j'ai plus de... J'ai, voilà. Et il est mort. Récompense. Ah d'accord, donc là, c'est la mécanique de roguelike. D'accord. Poussette, il y a des infos partout. Décale à gauche en restant à droite. Cours, cours, cours. C'est en français, player's turn. Ah oui, bah oui, player's turn. Ouais. Battle aussi. Ah, il y a des petits trucs à faire. On est encore, hein, je le redis, hein, mais en accès anticipé. Inflige 20 de dégâts à la cible et augmente de 15% l'attaque du lanceur pendant 2 tours. Oh, c'est violent, ça. Je prends. Tu peux mettre la main sur des cartes égarées par les âmes perdues et les intégrer à ton deck depuis les hôtels dédiés. D'accord. C'est ça. C'est ça l'hôtel dédié ? D'accord. Oh la musique. Ah merde, mais je peux pas y aller là. Ah, je pouvais que. Ah merde ! Est-ce que j'aurais pas fait une connerie ? Ah, je peux double-cliquer pour m'y rendre. Armurerie, modifier ici. Ah non. Ah non, hôtel de lave. Là, il y a une armure. D'accord, armurerie. Modifier ici votre équipe. Ok. Oh, putain. Je peux pas... Oh, la vache. Ok, sort de base. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, paf. Hein. Attends, carte choisie. Ah non, d'accord, carte choisie, c'est tout ça. D'accord, ok. Oh, c'est pas clair, ça. D'accord, carte choisie, c'est tout ça. Blandre, salut, bonsoir, poète. je ne connais. Est-ce que je peux changer mon sort de base? Ah non, je peux pas le changer. Ça aurait été trop balèze, sinon, si je mets attaque sacrée à la place. Par contre, est-ce que je peux pas sort lié? Alors j'imagine qu'il va y avoir des trucs marqués si je... Ah ! Ah, ça va être des trucs, je pense, genre, soit c'est un sort, soit je peux l'équiper et ça fait un autre effet. Ça peut être pas mal, ça, comme truc. Oh. Je vois une autre âme près de toi, elle n'a pas l'air hostile. Essaye de pactiser avec elle, vous avez le même but, vous pouvez faire face ensemble. Ok, ok, ok. Tout à fait. Wow ! Je peux me déplacer d'autant de cases que je veux ? D'accord. Non, autant de fois que je veux, apparemment. Et je peux me dépasser de 4 cases. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Il y a une poche. Marcus ! Hé, perdu aussi ? Complètement. Drôle de vêtement, d'où tu viens ? De Gaulle romaine, Aquitaine. Oh putain ! Ah oui, à travers le temps et l'espace, quoi. Ça me dit vaguement quelque chose, ça doit être en Europe. Toi, tu viens d'Afrique ? Presque. Et pourtant, on n'a aucun mal à se comprendre. L'après-vie prend la forme qui convient à l'âme qui la traverse. Cette voix, c'est donc Létus, dieu de la mort? Je suis mort? Oui, nous sommes morts tous les deux, mais la voix que tu entends, c'est celle de la sorcière en charge de mes funérailles. Ah merde, c'est une sorcière!
Oh bah écoute, on va dire que c'est une sorcière à moitié libanaise, hein. Écoutez, c'est comme ça. Elle peut parler aux morts, comme moi à l'époque. Ah, j'ai récompensé. Ah ! J'avais raison ! J'avais raison ! Soit on peut la transformer... Alors je prends, là. Ah, j'ai deux persos ! Oh putain, oh, oh, trop de choses, trop de choses. Hein ? Trop de choses. Ok, alors, Marcus, il a 300 PV, 30% de quoi ? Puissance 30%. Pourquoi j'ai 0% moi ? Ah, peut-être plus 30% grâce à son arme. Ah, voilà, plus 30%. Ok, alors, chance... Bonus 2. Déplacement. Il a le même déplacement que moi. J'imagine que c'est le plus petit déplacement qui doit pouvoir être pris en compte. Que pêche ? Alors, il a plus 30%. Ajoute 15% sur les sorts de feu. Hein. Et il a coup massif en attaque de base. Inflige 10, 20 dégâts. Hein. Ah non. D'accord, ça, il l'a équipé. Oh, putain, mais il y a trop de choses. Oh là 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 là. J'attends toujours mon moelleux au chocolat et du cidre. Ajoute 25% de dommages. Alors ça, c'est les compétences spéciales. Ajoute 25% de dommages au sort offensif joué par ce personnage. Ajoute un point de réduction. Divise la quantité de dommages. Putain. Allez, mais attendez. Te voilà. C'est toi qui as mes cartes. Je croyais être le seul à pouvoir les utiliser. Voleur, tu vas voir ce qu'il en coûte, ça n'a qu'à être urgent. Ah, l'enculé, il me pose des conneries. Cet homme utilise mes cartes contre moi, Mabry. Je crois que c'est lui qui a les esprits... Que les esprits les ont... Je crois que c'est à lui que les esprits les ont prises. Derrière moi, l'Africain. J'ai affronté des barbares géants toute ma vie. Ce n'est pas un sac d'os qui va m'intimider. Allez. C'est dommage que l'animation soit codée sur 3 frames. Hein, mais... Ah. Un peu d'aide n'est pas pour me déplaire. Reste en retrait et laisse-moi combattre. Ok, alors, puisqu'il vient de faire 36-60 et augmente de 20% l'attaque du lanceur pendant 2 tours. Oh, c'est dégueulasse. Par contre, j'ai 4 actions. Ça, c'est cool. Ah ! Ah, j'ai 4 actions, mais... J'ai 4 actions, mais je choisis le personnage. Je peux pas faire 4 actions par personnage. C'est 4 actions au total. Ah... D'accord. Alors lui, il a comme attaque de base coup massif. Inflige 15 à 30 de dégâts, un bonus élémentaire activé. D'accord. Et il a 120 points de vie. Par contre, lui... Ah merde, il a pas mon attaque que je voulais. Retire les malédictions de la cible. Ah, retire les malédictions de la cible. Ça, ça peut être cool pour lui enlever les 20%, ça. Ok. Donc, coup massif... qu'est-ce que c'est que ça ? Contre la défense de... Et stock. Coup massif. Il a 65. J'arriverai pas à lui enlever. À la limite, je peux faire un bannissement. Hop, il a plus les plus 20%. Oh ! Ah merde ! J'avais fait... Ah merde, j'avais fait toutes mes actions. Quel con. Ah non ! Non ! Coup massif 2. Putain, c'est ça. Voilà, c'est ça. Spawn, il l'avait repéré. Coup massif, coup de 2, fais gaffe. Slay. Ah non. Coucou. Ok. Coup massif, coup de 2. J'ai pas de soin. A tout hasard. Moi, j'ai pas de soin. A tout hasard. J'ai pas de soin. Ok. Et stock. J'ai dit et stock. Ok. Coup massif, coup de 2. Coup massif, coup de 2. Imposition des mains. Imposition des mains. Imposition des mains. Tiens. Et bah il me reste 2. On tente coup massif. Ah oh, fuck. Merde. Aïe. Oula, aïe. Ah mais putain, mais ça se sac en plus. Plus 40%. Oh mais c'est un truc de pute. Pardon, excusez-moi. Tiens, t'es mort. Ah, attendez, bah du coup on va pouvoir voir. Est-ce que je récupère toute ma vie à la fin d'un combat? En tant que roguelike, ça m'étonnerait fortement. Oh merde, j'ai pas équipé le truc. Par contre,
avoir dans l'équipe, mais pas moyen de le mettre devant pour qu'il se prenne les coups, c'est un peu con, non? Bah, j'imagine avoir un tank. Bah, il doit peut-être y avoir des trucs qui font que, le personnage équipé de cet équipement se prend les coups en premier ou pendant X fois, enfin, on verra. Allez, recommence. Griffe de protection. Coiffe de protection. Attaque tranchante. Oh putain, attaque tranchante. 3. Inflige 50-70 de dégâts à la cible. Et de la poudre. Oh putain, c'est les grains de poussière de Thimbleweed Park. Je récupère pas ma vie. Fuck. Veni, Weedy et Yules n'auraient pas fait mieux. Et Jules, pardon. Sam, tu as trouvé de la poudre. Tu vas pouvoir améliorer tes cartes comme je te l'ai appris. Utilise l'hôtel juste en face de toi. D'accord, attends, dans 2 secondes déjà. 2 secondes. Il y a inventaire d'abord. Il y a sac. Et puis la poignée. La poignée. Ah non, mais attendez, si je me... Non, ça va. Je change ça. Le contenu de votre sac vous accompagne partout. Vous pouvez ainsi, par moment, durant votre progression en donjon, changer l'équipement que vous portez. Ta traduction. Mais le risque subsiste de tout perdre si vous mourrez. Réfléchissez bien à ce que vous emmenez avec vous. Putain, la traduction, elle est pas bonne. Si c'est pas une traduction, les gars, vous êtes pas fous. On texte. Alors, j'avais récupéré un autre truc tout à l'heure. Ah non, c'est... C'est Marcus qui l'a. Select 7. Hein? Select 7. Quoi? Comment ça, Select 7? Ça veut dire quoi, Select 7? Casse du bélier, je peux lui mettre ou pas? Merde, c'est en bas. Merde! Mais je peux ou pas? Si je fais ça... Là. Mais bite, putain! Est-ce que je peux mettre un truc? Putain, parce que la coiffe, ça peut être bien. Par contre, la litanie de soins dépense 15% de points de vie à la cible. Chaque tour. Dispense 15% de points de vie à la cible chaque tour pendant 2 tours. Hein? C'est un empoisonnement, ça. Je comprends pas. Bref, de toute façon, je vais le mettre en casque. Je veux le mettre en casque, en fait, mais j'arrive pas à... Ah! C'est là. Ah, je peux pas mettre le... Ah, mais c'est une coiffe! C'est un casque! Je croyais que c'était un plastron. Merde! Tant que c'est pas des poils de cul... De couilles, ça va. Ah oui, les poils de couilles de... Ah! Ah ouais, c'est juste un jeu que j'ai speedrunné, quoi. Et dont j'ai le record pour l'instant. Spiral Scouts, merci! Oh la honte. Attendez, est-ce que Marcus... Ah, Marcus, il a déjà le casque du bélier. Ok, bon bah, c'est pas grave. Autant lui donner, du coup, ça en... Je peux lui mettre en carte, du coup? Ah! Ah non! Ah non! Ah d'accord! Ok, non, alors c'est pas un truc qu'on peut transformer en carte, c'est un sort que nous octroie l'équipement. Ça fait que, en plus du sort de base, j'imagine que j'ai accès à attaque tranchante à tout moment. Ah! Ah, pas mal! D'accord, ok. Ok, ok. Bon. Toutes les bénédictions. Du coup, là, le bannissement, il est utile. Alors, du coup, il a quoi comme... D'accord, il a exactement la même chose que moi en carte. Ok. Eh ben, en avant. Allez-y. Je ne suis jamais allé en Afrique. Moi non plus, je suis né en Amérique, aux Amériques. Je connais pas. Ça doit se trouver en Asie, alors. Ah, oui. D'accord. Ah non, j'ai cru qu'il allait jouer le boss. Merde. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? L'atelier. Permet d'améliorer... Ah oui, alors. Permet d'améliorer les sorts. Qu'est-ce que c'est que ça? Carte disponible. Ah, c'est disponible en amélioration? Armurerie. Ah! Ah! Ah, putain, merde, c'était le tuto, c'était ici. Chaque objet a un sort lié qui s'ajoutera à votre deck une fois l'objet équipé. D'accord. À vous de construire votre deck en fonction... Ah non, ça s'ajoute à notre deck. C'est pas une attaque automatique comme le sort basique. D'accord.
A vous de construire votre deck et votre style d'équipement en fonction de votre style de jeu. Vous pouvez retrouver les sorts liés à votre équipement dans la partie sorts liés de votre deck de combat. N'oubliez pas de mettre dans votre deck le sort que vous avez amélioré dans l'atelier. Ah d'accord, donc quand on l'améliore, il s'enlève de l'atelier, d'accord. Sur l'atelier, vous pouvez améliorer vos cartes contre la poudre, glisser la carte en améliorant dans la poisson argenté. Si vous ne pouvez pas combiner, vérifiez que vous avez suffisamment de poudre. D'accord, ok, lol. Alors les stocks, apparemment... Il me faut 75 de poussière et ça devient une stock plus. Une stock plus plus. C'est un sort, il est commun, là il devient rare. D'accord. Ah, et je peux encore améliorer le rare. Il va devenir épique. Ah, ou 300 de poussière. Là, c'est un peu plus beaucoup. Là. Un peu plus beaucoup. Ah. Genre. Ah, the card title. Alors, coup d'action. Point d'action requis pour lancer les sorts. Point d'exclamation. Type de sort. Ah. Stratégique, défensif, offensif, hybride. Oh, équipique. Stratégique. Qu'est-ce que c'est, un sort stratégique? Rareté de la carte, commun, rare, épique, légendaire. Élément de la carte, feu, terre, vent, eau, tonnerre. Puissance de la... Puissance de la... Élément de la. Puissance de la. Cible de la. Il manque un mot. La poudre, c'est cool. As-tu assez pour un... Ah, d'accord, pour un rail. Ah, ça y est, ça veut juste sniffer. Plage de dégâts infligés, statistiques augmentées. Plage de dégâts infligés. Statistiques augmentées. Cible de l'or. Le lanceur, un allié, un ennemi, tous les participants, tous les alliés, tous les ennemis. D'accord. Pas mal, ok. Donc ça vise un ennemi, c'est un sort d'attaque. Ça coûte 1. D'accord. Attends, pourquoi 3? Ah non, j'en ai 3 en stock. Ah d'accord, j'en ai 3 en stock. D'accord, ok. Donc tac. Wow, t'as l'air de savoir ce que tu fais, prêtre. Oui, on peut dire ça. Mercure soit loué, je ne te quitte plus d'une caligue. Du coup, est-ce que je l'ai équipé, mon truc? Oui, il est équipé. Ah, mais c'est Marcus qui l'a. Ah non! Hein? Attendez! Marcus et Sam, ils ont le même deck? Je croyais qu'ils avaient un deck différent, moi. En fait, c'est les sorts liés qui changent. J'ai ainsi des gars... De tous les alliés de 0 pour votre tour. Ah! C'est les chaussures à sangle qu'ont les légionnaires dans Astérix. Ah d'accord, ok. Caligula chaussures. Ok, merci. Je vais pas. D'accord, donc ils ont le même deck. Mais du coup, ils piochent des cartes différentes, quand même. Ok, alors du coup, après, je vais où? Ah, là, il y a des cartes à récupérer. Tiens. Pile de dalles. Qu'est-ce que c'est que ça? Destruction de murs. Supprime tous les murs autour d'une salle. Ah! Ah, cool! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi tu me dis d'aller là? Ah, tu veux que je supprime les murs de ça? D'accord. Par contre, je veux bien... Ah ouais, mais non! Moi, je voulais supprimer les murs de ça, l'hôtel de lave. Je peux pas faire un retour arrière? Merde! Bon, j'espère que j'en aurai d'autres. Destruction de mur. Ah, et du coup, plateau plat sans mur. Ah, il me met un autre plateau plat, merci! Ah, les ennemis bougent. Destruction de mur? Merde. Pas destruction de mur. Je peux pas le faire pivoter. Je peux pas le faire pivoter. D'accord. Tant qu'à faire, autant l'utiliser ici, parce que de toute façon, on s'en fout un peu du mur. Ah, pour utiliser pour bloquer l'ennemi? Oh non, ça sert à rien ça. Pas grave, moi je l'affronte l'ennemi, rien à foutre. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Y'a plus de piles! Y'a plus de piles! Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah non, c'est rien. Ah merde, je suis deg, je voulais voir ce que c'était que l'hôtel de lave. Donc ça, c'est la sortie. Vas-y, on joue des feux de camp. Oh, il y a un bonfire. Ah, il y avait un ennemi dessus aussi. Ok. Alors, donc... Oui, c'est ça, donc ils ont le même deck. Ah non, 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 non. Ah non, on tire. Ah putain, ok, ça y est, je commence à comprendre, désolé. On tire exactement les mêmes cartes, sauf que en fonction du stuff du personnage, les stats vont changer. Ah. D'accord. Est-ce que, d'accord, le soin ne bouge pas, je vais utiliser un soin sur lui. Voilà, parce qu'il est un petit peu en mauvaise posture. Bug, inflige 26 de dégâts à un allié et augmente les chances de critique de tous les alliés de 0 pendant un tour. Mais pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? D'accord, Pichenel, comme si. Bon bah, stock. Ok, stock. Ok. Bon bah, Pichenel, tant pis, hein, il n'est pas mort. Aïe. Petit soin, petit soin. Pas de petit soin. Ok, Pichenel. C'est bon. Parce que le pourcentage doit augmenter avec certaines stats. Ouais, j'imagine. Connaissance utile. Alors, j'ai gagné. Un casque de fer. Un casque de fer. Qui donne l'attaque défensive. Inflige des dégâts équivalents à la défense du lance. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour le gros tank. 4 points. 4, j'ai gagné que 4. J'ai regagné les points de vie. Oh, lui, il s'amuse avec son corps. Hein. Vas-y, amuse-toi. J'ai envie d'aller le buter. Attendez, inventaire. Je peux m'équiper pendant... Je suis obligé de me reposer. Vous pouvez équiper vos sorts qu'en dehors des enceintes ou sur une armurerie. Faut vraiment que j'aille jusqu'ici. Ouais. Parce que c'est franchement utile quand même ce que j'ai ramassé. Là, le casque, il me plaît franchement bien. Voilà, parce qu'il a le bouclier. Tiens, je vais prendre le casque. Ce qui donne 5%, 25-35. Ben voilà, ce sera bien ça. Hop, on se casse. Merci. Ah, moins que le but c'est d'aller le buter lui. Ah bah oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça du coup alors? Le maître du donjon. Le maître. Du coup ça sert à quoi alors de... Je comprends pas. C'est quoi? Je croyais que c'était une sortie ça moi. Yes. Eh bah il est plutôt sympathique pour l'instant comme jeu. Moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Soigne-toi. Ah ouais, regardez. 39 pour les stocks, 26 pour lui, mais 39 si c'est lui qui tape. Pour l'instant, lui, il sert à rien. De toi, tu vas soutenir. Hein. Tiens. Les stocks. Voilà, et vu qu'il reste que 1 point, bah, ce sera une... Ah, putain, merde, il lui reste 1. Le 1 de PEV, merde. Ah, moins 10% d'attaque. Ah, putain, l'attaque sacrée. J'aime bien l'attaque sacrée. Hop là. C'est bon? Ah. Ok. 4 de poudre et puis le... La coiffe de protection, ça c'est cool. J'aime bien la coiffe de protection, mais... Ah ouais, mais l'autre... Ouais, ça va enlever le sort du machin. Ah, dommage. Tant pis, je reste avec ça. Merci. Tac. Tac. Je vais aller voir ce que c'est que ça, parce que je suis intrigué quand même. Parti. C'est la sortie ou pas? Ah merde! C'était la sortie! Ah fuck!
Ah non, je voulais affronter le maître. Fais chier. Inflige 10 de 10, 20 de dégâts. Ouais, bah c'est le bâton que j'ai de base. Ça. Ok. Tu as peut-être un ou deux sorts dans ta machine et que tu sens ton gros légionnaire. L'Africain. Oh putain. What? Succès déverrouillé, vous l'avez fait. Sam, tu es toujours là? Bien, je crois que tu es seul, enfin à peu près. Tu devrais méditer avec moi, faire un bilan de ta vie passée. Elle est là. Elle est la raison de ta présence ici. Tu es né d'une mère noire et d'un père inconnu. Écoute les chants des travailleurs résonner dans les champs de canne à sucre. Tu étais métis. Parmi les noirs assoiffés de vengeance, tu étais le plus blanc. Si la souffrance façonnait Malcolm X, alors tu étais le plus parfait d'entre nous. J'ai fait un rêve. Le terreau idéal pour une vie de conflit. Ah putain, mais ça y est. On est dans un film sur les noirs américains. Du début du 20e. Chambre de Dambala. Ah, Dambala. Dambala, c'est... Ah putain, ça me rappelle... Gabriel Knight. Dambala, c'est... C'est le Ogun de Batagli. C'est le dieu de la mort, je crois. Chez le voodooisme. Dans le voodooisme. Ça va, Mabri. On fait aller. Prends le temps de bien te préparer avant de continuer. Pour t'enfoncer plus avant dans les limbes. Avant sur la dalle verte. D'accord. Donc j'ai une malle et une faille. Pour se rendre là où l'on est déjà allé. Pour... Ah, la faille, c'est pour revenir en arrière. Et la malle, ça donne accès. Et la malle, ça permet de refaire tout son deck, tout ça. D'accord, ok. Chucky. Jeu d'enfance et l'invocation pour se réincarner dans la poupée. Ah bon? Donc tac. Oh! Ah mais je croyais que c'était le truc que j'avais déjà. Ah, il va remplacer Pichenette par frappe. Ah, au lieu de faire 10, ça fera 10-20. Oh, cool. Je prends. Ajoute 15% sur les sorts de vent. Cool! Ah mais c'est du feu, c'est pas grave. J'ai quoi en sort? Alors je mettrais bien. Alors je vais enlever 2-3 trucs, je vais remplacer 2-3 trucs. Attaque sacrée, je garde. Bannissement, je garde. Bénédiction d'armure, augmente la défense de la cible de 17% pendant 3 tours. 17%, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc je vais l'enlever. Je vais les enlever même tous les deux. Imposition des mains, augmente de 25% l'attaque de la cible pendant 2 tours. Ça peut être pas mal si j'ai un autre personnage. Pénitence, retire toutes les malédictions de la cible et dispense de 3 points. Ça, c'est bien ça. C'est comme le bannissement. Retire toutes les... Ah non, toutes les malédictions de la cible. Ah, ça se peut... Je garde. Je vais rajouter... Ah, j'ai... Ah merde, je croyais que ça, c'était ce que j'avais disponible ici. Non, c'est... Ah non, c'est utilisé. Ah merde. D'accord, ok. Bon bah... Allez, de toute façon, c'est mieux, parce que comme ça, j'ai plus de chances d'avoir les trucs bien sans que je me fasse chier avec les bénédictions. Allez, paf, paf, c'est quoi ça? Je peux améliorer ici, d'accord, ok. Oh, amélioration de l'attaque sacrée, ça va être violent, ça. Plus 15%, plus 26%, oh la vache. Soin, je pourrais l'augmenter aussi, ça peut être pas mal. Non, non. Ah, faut la petite croix. 21% de vie, cool. Il faut 100 de poussière. Il faut 100 de poussière, 100 de poussière, 75 de poussière. D'accord, on voit les bons sorts et les moins bons sorts. Il y a les bons sorts et les moins bons sorts. Et ça, 75. Ok, la musique est un peu chiante à force en boucle. Ça, je te l'accorde. Bon, ouf, ouais. Ah, attendez, oula. Recycler. Oh. Je peux transformer des cartes. Vous permet de convertir vos cartes inutilisées en poudre. Ah ouais. Cloner. Vous permet de dupliquer une carte contre de la... Vous permet de la dupliquer contre de la... De la dupliquer contre de la poudre. D'accord. Ou si je veux dupliquer un soin, ça me coûte que 50. C'est pas mal ça.
Est-ce que du coup, si je duplique une carte améliorée, ça peut dupliquer une carte améliorée du coup? Parce que là, 75. Et là, 37. D'accord, donc on peut dupliquer une carte améliorée, mais ça coûte plus cher. Et on peut créer. Oh! J'aime ce jeu! Ok, cool. Recette. Soin. Comment je... Combiner de... Ah non, de la poudre avec vos cartes inutilisées pour obtenir de nouveaux sorts. Comment je... D'accord, je sais. Combiner. Comment je fais? Composant, sort. Je peux rien cliquer, je peux rien faire, ça marche pas. Combiner de la poudre avec vos cartes utilisées. Ah mais j'ai zéro poussière. Il faut peut-être des composants pour plus tard. Sort plus sort. Ouais mais je sais mais... Je peux... Oh putain j'en ai marre, j'ai la voix qui dit merde. Je peux rien sélectionner. Ah si, il faut que j'augmente mon nombre de poussières. Non? Ah! J'ai peut-être pas assez de poussière tout simplement et du coup il veut pas me montrer ce que je peux faire. Ça c'est dommage ça. Badada. Ok, donc ça c'est cool. Je peux faire plein de trucs avec mes sorts. Oh, il va falloir faire des trucs comme ça. Oh, je peux faire pareil avec mon équipement. Badada. 22-43 contre 14-28 et ça demande 200 de pouces, d'accord. 200 de poupou. 100 de poupou. Ouais, en effet, c'est pas dingue. Je peux les recycler. Je peux recycler ça. À la limite, ça, je peux le recycler. Je peux quand même... Cette carte peut... Ah ! Cette carte ne peut pas être recyclée. C'est l'équipement de base, je peux pas le recycler. Oh, deux casques du bélier. Ah, j'ai envie de dire, le casque du bélier, il est quand même vachement moins fort que la coiffe de protection. Allez, je recycle ça. Tac. Ce qui fait que j'ai 32 poupous. Du roguelite, du build, du craft, du RPG, du deck building. Il a tout ce jeu. Franchement, c'est cool, hein. Oh putain, mais vous voyez exactement tout. Là, sous moi, là, y'a rien. Y'a vraiment rien du tout. Vous voyez tout, absolument tout. Cool. C'est pas parce qu'il est équipé, ton bâton? Non, j'ai équipé l'autre. Tu vois, l'objet est actuellement équipé, ouais, c'est ça. D'accord, donc ils me disent que j'ai équipé. Et je, par exemple, je peux pas en prendre deux. Voilà, je peux pas en prendre deux parce que j'en ai un d'équipé. D'accord, ok. Non. Et donc je peux améliorer, recycler, créer. J'imagine que là, pareil. Je peux... C'est genre... Comment je... Ah, peut-être que... Ah ! Je crois savoir pourquoi. Recette. J'ai peut-être pas de recettes pour l'instant. Il faut que je récupère des recettes et elles vont me donner en fait quel équipement je dois mettre. D'accord, c'est pas libre en fait. Et personnage, trouver un autre allié. D'accord, ah oui, je vais avoir des alliés qui vont vraiment m'accompagner. D'accord. Pas mal, pas mal. J'ai bien envie de me... Non. J'ai bien envie de cloner un soin quand même. Merde. Ça coûte 50, j'ai pas assez. Ah non, je prends... Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, est-ce que je peux retourner... Je peux retourner dans l'enceinte 1. La chambre... Chambre d'Ambal. Ayant jadis appartenu à l'esprit des serpents, de la fertilité et des sources, la chambre de Dambala... D'accord. Ah non, c'est la fertilité, c'est ça que je connaissais. N'apparaît plus que comme l'ombre d'elle-même, vestige d'une gloire passée, le luxe ne luit plus que dans les traces de peinture dorée sur les murs et les colonnes effondrées. Les lits ne sont que des tombes, les étaïrs, je sais pas ce que c'est, des statues mortuaires. Un esprit endeuillé et paresseux a déformé cet endroit et l'a rendu sombre et triste. Je vais retenter l'enceinte 1. Est-ce que c'est la même ? Ah non, c'est là où je suis. Ah, d'accord, le tuto, je peux pas le retenter. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on y va. D'accord, vas-y. C'est parti. Ah, tant pis, on le fait. Tuer ce monstre. Ah, d'accord, c'est le but. Oh, l'émission. Oh, tuer ce monstre, mini Paros. Je vois quelque chose qui te barre la route un peu plus loin.
Il va te falloir vaincre cette âme perdue pour continuer. D'accord. Ok, ok, alors là, le vrai jeu commence. Ok. Alors, attendez. Qui c'est ? The Fallen King. D'accord. On peut maudire sa proie. Ok, là, il y a des tuiles. Là, il y a un coffre. Alors, dans les missions, tuer le monstre Miliparos. Ça, c'est à mon avis pour finir l'étage. Mais il faut aussi ne pas activer l'événement feu de camp. Est-ce que je peux le voir, l'événement feu de camp ? D'accord, ok. Ah, faut que j'en active aucun. Ça va être violent. Tuer 5 monstres. Activer des feux de camp. Ah. Ah, je peux la jouer safe, hein, parce que j'ai pas un deck encore très... Ah ouais, mais ça va me demander de récupérer plein de tuiles et tout pour essayer. Alors, je peux détruire une dalle. Nouveau point d'action. Faites une action supplémentaire pendant votre tour. D'accord. Piège. Un piège qui peut blesser les monstres comme les héros. Ah d'accord. Qu'est-ce que je vais faire comme trajet? Je peux aller directement là. Ah, j'ai 28 huiles! Oh la vache! Ok, bon, je vais éviter de prendre trop mon temps. on va avancer. Parce que sinon, ça, c'est le genre de jeu. Ça peut durer 5 millions d'années. 5 millions d'années. Tac. Tac, comme ça je mets le truc ici. Ah, il détruit ma dalle! Oh la pute! Excusez-moi. Je vais mettre un piège ici. Je peux pas? Ah non, je mets un piège sur une dalle! Ah d'accord! Attends, donc, tac, je mets un piège ici. Paf, je peux mettre ça là. Farok boule ça là. Tac. Ça me va. Ah, il y avait un ennemi là, je l'ai pas vu. Il s'est tépé! Oh la... La pute. Ok. Tac. Je me dépasse. Ok. D'accord. Ah non, il s'était déplacé vers le haut. J'avais pas vu. Allez, here we go. Oh merde, putain. Pas cool ça. Attaque sacrée. Il a 100 PEV. Moins 15. Hop. Il m'a baissé ma puissance de 30%, mais j'ai récupéré 15%. Il me fait du 30-50 quand même. Tiens, il est stock à 31. Paf. Merde, j'aurais dû faire une imposition des mains. Tiens, une frappe. Ok. Ça va me faire mal. Ok, aïe. Et là, il est mort. Stock. Ok. Papy Gâteau. Ah, il y a Papy Gâteau. Papy Gâteau, d'ailleurs, si vous voulez voir Papy Gâteau qui stream. J'ai entreaperçu tout à l'heure Papy Gâteau qui streamait le dernier... Monster Hunter. Pile de dalles. Yes, j'ai gagné des dalles. Le Fallen King peut maudire sa proie. Je comprends pas. Eh oui, je t'ai vu. Je ne reconnais pas ces écritures sur les murs. D'autres âmes que toi ont déjà donné forme à cet endroit. Ça n'aurait pas dû changer à mon passage ? Tu n'es pas si important. Ah non, tu n'es pas si important. Merde, je croyais que c'était c'était mon copain qui parlait. D'accord. Oh. Ah, j'ai déjà ça dans mon... Mais j'ai déjà ça dans mon sac, mais quel beat. Ah, merde. Il va venir sur moi. Hop là. Le Monster Hunter, le jeu macho, pro-maltraitance animale. Oui. Ah d'accord. Ah oui, non, ça c'est...
Ok, donc au moins l'avantage c'est que les malus qu'on chope d'un combat à un autre se désactivent. On retire toutes les malédictions de la cible et dispense 3 points de vie aux danseurs, vas-y. Tac. Coup 42 points. Ah t'as mal. Putain mais donne-moi mon soin quoi. Ils sont donnés plus 5% d'attaque. Aïe. Ok, j'ai pas eu de. D'accord, et donc là en fait on voit ce qu'ils vont faire après. Voilà. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire après. Augmente de 25% attaque de la cible pendant 2 tours. Ouais, vas-y. Tac, 40%, donc 39 que je fais. Oh merde! Oh, ça semblait tellement bien! Obtire toutes les bénédictions. Ah non, c'est les bénédictions! Ah fuck, putain! Bah, il me reste une action. Bah, tant qu'à faire, autant tuer. Ok, ok, ok. J'ai le soin. Aïe. Ah d'accord, alors dispense 10% de la... Putain mais redonne, dis redonne, pas dispense quoi. C'est pas évident à comprendre. Augmente de 25% l'attaque de la cible. Nanananana. Bannissement, retire toutes les bénédictions. Alors après il va me faire un 10-15 de dégâts. Tiens, plus. Tiens les 5. Voilà. Après, il va me faire un 10-15, d'accord, 10-15 et plus 5%. D'accord, donc on peut voir tout. Dispense de sport. Ah non. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'habitude de... Oh ! Ah oui, mais c'est... 60-84. Adieu. Oh la vache. Nice. Ah oui, en plus, tiens, c'est de bon ton, tiens, de faire ce truc-là. Augmente la défense de la cible de 17% pendant 3 tours. Non, j'en veux pas. Bannissement, ça me plaît. De la poudre, ça me plaît. Ok. Tac. Pile de dalle. Je prends tout. Pile de dalle. Ah, attendez. Oui. C'est... C'est, excusez-moi, c'est moi qui suis allé au combat, du coup c'est moi qui ai le premier tour. Ah, pas mal, pas mal. Tiens, paf. Tiens, paf. Tiens, paf. 41. Okay, prochain tour, il est mort. Donne-moi un soin quand même au cas où. Moins 42% de plus. Oui, merci. D'accord. 30, 15, 30. Ça suffira. Non, ça, c'est, ça peut ne pas suffire. Ah, j'aurais dû faire pénitence. Oh merde! Attends, j'avais peu de chance d'y arriver. Allez, t'es mort. Tac. C'est bon. C'est vrai qu'elle manque de diversité à musique. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, elle manque pas de diversité. Elle est trop présente. Elle est trop présente. Et trop courte. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est plutôt un truc ambiance. Ambiante. Plutôt qu'une vraie musique... Ça, par exemple, c'est une musique de menu, tu vois. De menu principal. Mais pas dans le jeu. Enfin bon, ça, c'est les... C'est... Botte de célérité. Plus 1 en vitesse. Oui, tout à fait. Concentration 1. Augmente les chances et les multiplicateurs de critique de la cible de 15 pendant 2 tours. Attends, ah oui, non, ça c'est des sorts, d'accord. Alors qu'est-ce que je fais? Déposer les cartes ici. Je sais bien, je sais bien. Augmente la défense de la cible de 17% pendant 3 tours. Wow. Ça, je trouve pas ça dingue. Bannissement, c'est pas mal ça. J'ajoute un bannissement. Inflige 24. Oh, pour 1! 24-42 de dégâts de la cible et réduit sa défense de 10% pendant un tour. Oh, violent, violent, violent. Allez. Putain, attaque occident quoi. C'est bien ça. C'est vraiment très bien. Ok. Merde, il va m'attaquer.
Il se déplace de combien? De 3. Ouais, il m'a arrêté. Ok. Là, il va commencer à... Il va falloir que je commence à me diriger vers un feu. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis. C'est bien, j'avais bien raison, d'accord. C'est celui qui va vers l'autre qui... Tu dis ça parce que t'es en colère. Pire, j'ai faim. Ok. Imposition des mains. Et stock. Tac. Oh! Oh, il a pas aimé! Oh, il a pas aimé du tout! J'ai fait un critique, je crois, c'est pour ça. Retire tous les élèves de prendre. D'accord. Parfait. Oh! Ah oui, j'ai fait le truc tuer des monstres. 5 sur 5. Récompense. Oh. Trahison. Pioche une carte et augmente l'attaque d'un ennemi de 15% pendant un tour. Ah non. C'est pas fou, ça. C'est vraiment le truc ultra... Je peux pas... Putain. Faut que je fasse ça pour y retourner. Ça, c'est con. Ça, il va falloir changer, ça. Allez, hop. Paf. La protection, la protection. Juste avant, je vais poser ça. Je vais me diriger là. Et après, je vais aller au feu de camp. Je vais aller au un premier feu de camp. Hop là. Y'a quoi dedans? Des modes de célérité. J'en ai déjà... Bon, bah, je le recyclerai. Tac, je vais me diriger au premier feu de camp, là-bas. J'économise mes dalles, hein, donc... Voilà, je le laisse faire ses petits chemins. Je le laisse s'amuser avec son corps. Comme ça, en plus, il me fait mes chemins, c'est parfait. Je peux vraiment tout faire avec. Je vais faire activer feu de camp, 3 feux de camp. Hein. Là, parfait. Ah merde, non! Il y a un mur, je l'avais pas vu! Merde! Oh la bite! Oh la bite! Oh non, la bite! Ah la bite! Et merde! Tac! Ouais, ça va être juste mon truc de feu de camp ici. Tac. Là aussi. Voilà. Il s'amuse. Amuse-toi. Ameux. Tac. Et... Où est-ce que ça m'emmerderait pas? Là, ça m'emmerderait pas. Tac. Feu de camp! Et donc lui, il va s'annuler. Voilà. Échec, ne pas activer de feu de camp, échec. Voilà. Donc là, j'ai activé un feu de camp. Oh, l'enculé! Là, j'ai activé un feu de camp. Oh, j'ai une carte feu de camp! Oh, trop bien! Ok. Tac, une dalle ici. Le Fallen King peut maudire ça. Ah merde, j'ai une carte où je pose un ennemi. Bon bah tant pis, hein. Tac, et je l'attaque. Badada, pouette. Tixie, t'as une mission de ne pas activer de feu de camp. D'accord, c'est exprès. Oui, parce que j'ai une autre mission où c'est activer 3 feux de camp. Donc tant qu'à faire, autant... ouais, j'ai pas un deck de fou pour l'instant. Autant y aller sans doute, quoi. Une carte Fire Bone Dog. Ah, une carte Bonfire. Trahison, pioche une carte... Non, pas trahison, c'est de la merde. Imposition des mains. Attaque sacrée. Paf, hop, je suis plus 40%. Easy. Et une frappe de 19-39. Tac. Oh, il a pas aimé. Un petit soin. Soin. Oh, l'attaque oxydante. Oh oui. Détérioration. Réduit la défense de la cible de 15% pendant 3 tours. Ok, vas-y, fais ta sauce. Voilà. Ah, on voit pas quand les monstres se cachent dans... Ah, ça donne que 50 PV. On voit pas quand les monstres se cachent dans les trucs événements. C'est dégueulasse.
Tac, donne-moi la pile. Il y avait un monstre dedans. Ok, un king. Concentration, augmente les chances de l'utilisation de coup critique de la cible de 15 pendant, d'accord, ok, pendant deux tours. J'ai rien de bien concret là. Et stock. Hop. Aïe. Putain, il fait 31. Soin. Chier. Tac sacré. Et voilà. Parfait. Ok. Bannissement. Une pile de dalle. D'accord. Oh putain, ça l'aime qui me fait chier. Pourquoi il marque pas les... Ah, voilà. Farog boule ça, là. Hop, ennemi. Il est pas ennemi, hein, d'ailleurs. Ah, non. Ah, il s'était déplacé, d'accord. Alors, aïe. Chier. Celui qui attaque en premier. Va falloir que je pose la carte de feu de camp. Aïe. Allez, l'attaque occidente. Et je réduis sa défense. Touche. Moins 10%. Vous avez vu, il y a eu un petit bug. Quand il est apparu, ça a fait moins 999, moins 10. Ah, et ça marque défense quand je mets le doigt dessus. Ah, vous voyez pas exactement tout. Vous voyez pas un tout petit logo de défense. C'est pas grave. Vous voyez le moins 10%, c'est principal. Et stock. Ah putain, il m'a enlevé 42% de puissance, l'enfoiré. Pioche une carte, augmente l'attaque d'un ennemi de 15% pendant un tour. Non, les stocks. Et stock. Moins 23, je fais un coup critique. Aïe. Le soin. Yes. Et donc si je fais 8-16. Ah, c'est marrant. Ah, ça souligne sa vie quand je mets la carte dessus. Pour no reason. Hop. Tac. Et ben. Yes. Parfait. 5, la poudre. L'attaque occidente. Yes. Ça c'est cool ça. Alors. C'est quoi ça? C'est un pawn. Pawn peut vous infliger des dégâts sur la durée. Ah, il se déplace que de 2. Donc au pire, ce que je peux faire, c'est ça. Ça. Ça, et il peut pas venir vers moi. Yes! Alors, récompense. Moyenne potion de soin. C'est une moyenne potion de soin. Qui en donne 100 points. 100 PEV, oh, pas mal. Ok. Lui, il peut passer. Ah, j'avais pas vu en haut, lui! C'est un double blanc. C'est un double bleu. Bam. Ok. Oh, ça fait un piège. Eh, ce jeu, il est chronophage. Oh putain qu'il est chronophage. Donc, tac. Il est stock. Ok. Ah, on retrouve quand même les ambiances Slay, hein, c'est cool. Ça manque de cartes ici. Là. Aïe, plus 5% de défense, merde. Je peux faire une imposition des mains. Si je fais ça, donc lui il va recevoir. Ah, regardez, 29, c'est combien ça fait? Et dès que je le mets sur lui, il y a les calculs avec le plus 10%. Ah, c'est pour ça qu'il souligne. Pas mal ça. Retire toutes les bénédictions de la cible. C'est plutôt moi qui ai des malédictions plutôt que lui qui ait des bénédictions. Tac, et là ça fera 13-26. Donc j'ai très peu de chance de le tuer. Oh oui! Oh l'attaque tranchante. Oh le 63. Oh le 75-105.
64-89, ouais, d'accord. Sauf si... Paf. Ah merde, mais non, ça me demande les 3, quel beat. Ah le con. L'attaque sacrée. Hop. Et le 19-39 devient 19-39. Excellent. Aïe. Allez, je te finis en beauté. Paf, 102. Alors, détérioration, cool. Détérioration, cool. Deux poules. Deux poupous. Si je vais là, il peut pas m'atteindre. Ah, je crois que j'avais gagné tout ça pendant un moment. Je... Une petite potion de soin. Alors, petite potion de soin, ça marche. Moyenne potion de soin, c'est moins beau. Ou alors tu mets... Non, tu fais comme dans... potion de soin, entre parenthèses, petite. Ça évite les problèmes. De traduction. Tout prend. Dans quel cas on ne prendrait pas tout? Ah, peut-être si on n'a plus de place dans le sac. Sarcophage. C'est un jour sans. Oh merde. Dommage. Oh, il me place cela. Pas cool. Eh hey, ah, je peux zoomer, dézoomer. D'accord, ok. Là, il y a l'armurerie. J'irais bien à l'armurerie, quand même. Je place cette carte parce qu'elle est chiante. Ah, je vais me faire attaquer. Oh la pute! Oh là, oh là! Oh, y'a du gens! Non, il m'attaque pas. Ça. Ah, y'a un mur là, je l'avais pas vu. Merde. Allez, c'est moi qui attaque. C'est parti. Oui, si je joue dans celui 32. D'accord, donc en fait de base il prend toutes mes, tous mes trucs en compte. Mais c'est dès que je mets une carte sur l'ennemi qui montre ce qui se passe. Oh merde! Aïe! Soin! Shit! T'es mort. Ok. Suivant. Vite, vite, vite! Vite! 9 poupou! Vite! J'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps pour le jeu. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, il faut que je glisse les potions sur mon personnage. D'accord. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah oui, pour mes cartes. Parce que, mine de rien, attaque oxydante, évidemment. Détérioration, réduit la cible, bannissement, réduit au 1, avec une armure. J'enlèverais bien l'imposition des mains, en vrai. Quoique l'imposition des mains, ça me fait un plus de 25% sur moi, et les attaques oxydantes, c'est sur un ennemi, donc s'il y a plusieurs ennemis, c'est moins efficace. Retire toutes les malédictions de la cible, pendant ça, faut toujours la garder, bannissement, ouais, bon, en fait, je garde ça. Ah merde. Il y a beaucoup d'ennemis là derrière moi, ça me plaît pas. Je pense que je vais passer par là. Pour aller rejoindre. Il est où? Ah, il est peut-être parti dans le lit, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Portail. Permet de quitter l'enceinte sans perdre le contenu de son sac à dos. Ah, c'est ça, les retours machin. Ah, d'accord, ok. Ok. Ok, bon, bah, je vais me construire un petit chemin ici, moi. Permettez. Tac. Tac. Hop. Je me déplace, parce que sinon les autres ils vont faire chier derrière là. Ah merde, putain. Et hop sur moi. J'ai combien de poudre, tiens, ça en vrai? C'est une vraie question, tiens. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose après une fois que j'aurai. Aïe! Une fois que j'aurai fini le machin. Faire de critique. Ça en vrai, c'est pas. Ah ouais, mais ça c'est propre à mon stuff. C'est dommage qu'on puisse pas enlever les trucs de son stuff. En même temps, ça fait partie de la mécanique. Hein. C'est plutôt pas mal, en vrai. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est... Au niveau du jeu, c'est bien foutu. Mais c'est chiant. Qu'on puisse dire je veux ou je veux pas le sort qu'il y a sur mon équipement. Okay. Ça va me redonner 31 points. Faut que j'augmente mon soin. Oh putain, j'avais pas vu.
m'a baissé ma puissance et ma défense. Putain, j'ai rien pour m'enlever ce genre de conneries. 26 et 26, 52. Oh putain, il faut que je fasse un perfect pour... Ah ! Je vais prendre le tarif. Je vais prendre le tarif. T'es mort. Ok. Bon, c'est pas... Ouh. Ça pue un peu du cul, là. J'ai... Alors, j'ai combien de poudre ? Je veux savoir. Inventaire. J'ai combien de poupou ? Elle est où, ma poudre ? Où est ma réserve de cocaïne ? J'ai 100 poudres ! Tout pile ! Nice ! C'est exactement ce qu'il me faut pour augmenter mes machins. Voilà, je vais l'empêcher de venir sur mon chemin. Non, je suis con. À l'inverse. Hop. Voilà, au cas où, s'il veut me... Ah, 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 lol. Oh, il me reste plus que 9 cases. Oh. Shit. Ça devrait le faire, normalement. Au pire, je fais ça. Ça. Je me déplace jusque là. Et après, je détruirai cette case et je mettrai une case à la place. Une autre à la place. Ça, ça me permettra d'y aller à moindre frais, je dirais. Donc, tac. Tac. On regagne des PV. Putain, que 50. C'est pas dingue. D'accord, vas-y, amuse-toi, y'a pas de soucis. Zéro! Oui, j'ai vu. Ah, mais non, je peux juste mettre live, ok. Je vais là. Là. Et je vais tapoter. Et après, y'a boss. Et après, on aura fini le premier truc. Alors. Oh, caisse du soin. Ça, ça va faire plaisir. Ok, imposition des mains, je prends. Et stop. La trahison, elle me casse les couilles. La trahison, elle est bien si l'ennemi a beaucoup de... Il a beaucoup augmenté son machin et qu'on a, on a un bannissement dans la main. Donc là, je vais faire une attaque obsidante. Tac. Et là, ça passe à 25-44. Donc on pourrait le tuer. Merde! Ah non, mais de fait, il me reste encore une action. Ok, on passe. Parfait, parfait. Ah oui, mais j'avais pas vu, j'avais moins 30% de puissance. 8. Oh, encore une attaque occidente, parfait. Je vais remplacer toutes mes attaques classiques par les attaques occidentes. Hein. Donc le jeu. Il est là. Il est là. Il a... Est-ce que je peux passer derrière lui? Ah, je peux pas passer derrière lui. Ah mais non, il faut absolument que je garde des trucs parce qu'il faut que je m'en aille après. Mais non, parce que c'est ça qui va me faire quitter le... Je vais aller là d'abord, sarcophage. Vous êtes chanceux. Yes. Sceptre magique. Oh bah c'est de la merde. Ouais, merci, merci, Michel, quoi. Ah mais par contre c'est le boss qui va arriver sur moi et qui va avoir la première attaque. Mais c'est pas grave. Allez, ça va aller le coup. Boss, c'est parti. Ok, on en est là, on en est là. On en est là. Ah, l'attaque tranchante, ça peut être mon ulti. Ok, l'attaque obsidante, et stock. Ça perdu bien. Tac et stock. Tac et stock. Par contre, il me faudrait un soin. Yes, parfait. 48, d'accord. Je peux encore encaisser deux attaques comme ça. Parce que soin, attaque obsidante. Paf, 34. Il a encore moins 10. 40. Ça peut le faire. Ok. Une attaque sacrée. C'est pas mal ça. Pénitence, retire toutes les malédictions. Ah non, j'ai pas assez. Tac. 32. Du coup,
Non, pas... Oh yes, une attaque critique. Ouh. Oh, tiens, les trucs, on se demandait ce que c'était. Retour de flamme. Inflige 36-54. Ah si, pour 1. Mais le... Ah, mais le lanceur reçoit aussi 11-14. Ça, c'est bien si on a une protection contre le feu. Ça peut être pas mal. Oh, bah voilà. Tuer ce monstre... Ah, Oh, un fauchon. Qui augmente les coups critiques. 15% sur les sorts de terre. Tremblement inflige 12-18. Ah, une recette. J'avais vu juste. Super chat. Salut super chat. Comment vas-tu? J'ai une recette pour choc de bouclier. Vous pouvez maintenant combiner de la poudre et des équipements pour venir choc de bouclier. Oh. J'ai gagné 48 de poupou. Non, bah non, niveau suivant. Niveau suivant. On a tout fait. Ça va ? Yes ! Putain ! Ok, bah c'est une belle découverte, hein, ce jeu, en fait. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, par contre, je sais pas jusqu'où on va aller. Parce que la chambre de Dambala 2, mais chambre de Dambala jusqu'à combien ? Parce que là, au pire... J'aime bien... non, je préfère garder ça. Plus 20% d'attaque, quand même. Hein. Je garde ça. Les choses, j'en veux pas. L'armure, le sceptre magique, j'en ai déjà un. Ça, j'en ai déjà un. J'aimerais bien, du coup... j'aimerais bien... améliorer mon soin. Écoute, ça me demande 100 de poupou. Alors, je l'améliore. Et j'aimerais bien cloner ce soin. Parce que vraiment, le soin, c'est le truc qui peut vraiment nous éviter de faire 50 000 détours. Pour les... Ça ressemble à Slade of Spire, vite fait. Bah, complètement, hein. Mais un petit peu plus de gestion stuff, quand même. Hein, que Slade of Spire. Et un petit peu plus long. Complètement plus long. Soin. Ça me demande 100. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recycler... j'ai du stuff là que je me sers pas. Ah non, ça je peux pas. Ça j'en ai un. Non, non, pas amélioré, pas amélioré. Recycler. Ça j'en ai pas. Attends, annulé. Je peux en mettre plusieurs d'un coup. L'armure. Je vais essayer d'équiper. Deux choses. Le fauchon. Le fauchon, je le prends pas. Hein, définitivement. Je garde une coiffe. Ah, je garderai peut-être du coup. Quoi ta chance de trahison. Je vais garder quand même un de ça, un de ça. Hein ? Ça me donne que 14 ! Ah oui, d'accord. Ah ! Il y a eu une petite erreur dans la boucle du son. Ok, bah je vais recycler ça. Du coup, continuer. C'est détruit. Je vais reprendre mon sort de soin que je vais cloner. Paf ! Du coup, j'ai deux sorts de soins. Je vais rajouter mon deuxième soin. Les stocks. L'attaque sacrée. Bannissement. Et stock. Je vais enlever de les stocks. Remplacer par de l'attaque occidente. Ah, je les ai déjà mises. J'avais pas une autre attaque. Ah, j'avais confondu le. Merde, j'avais confondu le visu avec la détérioration. Ok, paf, bannissement, et stock. Je vais enlever une imposition des mains, ça me sert à rien. Je vais même enlever les deux impositions des mains. Ouais, non, une seule. J'en garde une quand même au cas où. Retire toutes les bénédictions de la cible, j'en enlève une. Ouais. Peut-être deux quand même. Ah mais non, je les avais mal placés. Ah d'accord, ok, bon bah je remplace mes stocks. Voilà, par des attaques occidentes, c'est parfait. Et bah du coup, je crois que je suis bon. Parfait. Ok, et ça c'est des sorts de feu, il faut vraiment du feu. Hein. Sacré, c'est de la terre, vent, terre. Ah soin, c'est terre. D'accord, donc je pourrais potentiellement, avec mon stuff d'équipement ici... Là... Ah bah non, je l'ai pété, ok. Bon bah c'est... LOL. J'ai pété le fauchon. Ok, bon c'est pas grave. Cool. Eh bah écoutez, c'était une chouette... C'est vraiment très très sympa comme découverte.
Est-ce que je continue? Je ne sais pas encore. Est-ce que je... Alors, moi, c'est sûr que je continuerai offline, ça c'est clair. Par contre, en ligne, est-ce que vous voulez que je continue à le streamer? Est-ce que vous voulez des let's play? YouTube, toi, tu le sauras assez vite, tu vois, c'est un petit 0-1 en bas. Mais dans mon chat, vous pouvez d'ores et déjà me le dire. En tout cas, YouTube, j'espère que tu as kiffé cet épisode. C'est indirect. Si c'est le cas, évidemment... Oh, c'était pas marqué le nombre de viewers. Bah, tant pis. Si c'est le cas, évidemment, tu mets un pouce. Sinon, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.